Eh bien, bonjour tout le monde. Salut à tous. Vous voyez, je suis avec Eh Sinoc. oui. Bon, le petit Sam n'a pas pu venir aujourd'hui. Il y a une mise d'éloignement contre ma personne. Parce que la dernière fois qu'on a fait un truc à deux, vous avez vu, cette vidéo était un peu torchée. Donc voilà, je me retrouve avec Sinoc. Donc on se retrouve pour un petit salon, Le Sinoc. Comic Geeks Expo. Donc on est à Orchies, on est en France. On est un peu perdu, on est sorti de notre petit village belge. Eh ouais. Donc on va aller voir ça, l'entrée elle est gratuite. Donc on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Et nous on vous dit à tout à À l'heure! toutes! La Batmobile, tu pourras le faire un live sur la Batmobile maintenant. Excellent.
c'est une victoire. J'y croyais. Ah ouais, super. Alors Greg, ça fait quoi de se faire battre? Tais-toi donc. C'est quand même triseuse. Putain. Oh là là, c'était une grosse défaite encore une fois. Chun-Li prend l'avantage. Ça m'énerve surtout la manette. Le joueur buveur n'est plus très bon joueur. C'est parce que j'ai pas bu de bière, c'est pour ça. Ah c'est vrai, il n'y a pas son carburant. Ah voilà, j'ai pas... J'ai pas mon remonte. Oh là 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 là. C'est excessivement énervant ce jeu. C'était une défaite monumentale. L'impression que ça fait mal. Moi, mon bijou sera la journée. Tu vois. Bon, bah, après, je sais pas, on terminera où, mais bon, ça, c'est. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Ne mets pas ça sur internet, Coco, je dois te draguer. Non, ah, non, t'as. Sur la joue. Si vous avez des questions. Alors, la youtubeuse que je vous présente maintenant est une youtubeuse débutante. Oui, c'est ça. Débutante. Alexia, du site Yoko. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter le concept de ta chaîne, Alexia? Donc, en fait, moi, je fais plus sur le gaming, manga. Je fais aussi quelques vlogs, comme le dernier vlog que j'ai fait, c'était en Ardèche. Et le premier vlog que j'ai fait, c'était sur Belward. Après je suis plus sur le gaming, donc des let's play où j'essaie de trouver des petits jeux assez sympas. Je fais aussi des vidéos avec des amis. Juste quand tu parles de let's play, sur quel jeu en particulier? C'est des petits jeux que je trouve sur Steam en fait. Comme jeux Steam, ouais. Octodad ou Street Fight, enfin tous des petits trucs comme ça. Après j'aimerais trouver un boîtier d'action pour faire plus de gros jeux sur PS4 et tout ça. Mais pour l'instant c'est un budget, donc du coup forcément je n'ai pas forcément maintenant. Sachant que là, ben, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 7 mois. Ouais. J'ai 245 abonnés pour le moment. Et bon, j'ai voulu commencer il y a un bon moment déjà, je dirais même un an et demi, mais en fait ça s'est déclenché quand j'ai eu mon PC Gaming justement, que j'ai commencé à faire ça là, dans ma chambre du coup. Donc pareil, t'as commencé. Donc pour c'est ce qu'on voit beaucoup, hein, les youtubeurs qui sont passés juste avant. Souvent, comme vous voyez, ils commencent tout seuls. La plupart, ils commencent tout seuls. Dans leur chambre. Et Alexia, c'est pareil, t'as commencé pour le fun, en fait, en quelque sorte. Oui, c'est ça, voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde aussi. Donc, les petits youtubeurs, moi, je suis déjà en collaboration avec les boucans YouTube. Donc, en fait, on se partage nos contenus, on se fait de la pub mutuellement sur nos vidéos. Comme ça, ça nous permet de toucher un public plus large. Après, c'est vrai qu'on est aussi souvent sur des groupes de solidarité YouTube où on peut poster toutes nos vidéos et justement, bah, on rencontre d'autres YouTubeurs. Et puis toi, je vois, c'est aussi un créneau qui est pas très développé, parce que souvent, quand on voit les let's play et tout ça des YouTubeurs, la plupart du temps, c'est des jeux connus, archi connus, que ce soit du PS3, du PS4 ou des jeux Nintendo. Les Mario Kart, les Mario 3D World qui ont été faits 50 fois. Toi, je vois, t'essayes plus de faire des petits jeux Steam. C'est ça. C'est des jeux, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est des jeux qu'on télécharge sur... Steam, ouais, voilà. Sur Steam, le réseau. Donc Steam, c'est sur PS3, Xbox 360... Pas forcément, après... Mais sur PC aussi. Voilà, sur PC. Voilà. Donc toi, c'est plus un créneau, les petits jeux indépendants, tout ça, t'essayes de faire du let's play dessus. Comme je dis, j'essaie de me prendre un petit accession pour faire des let's play sur des jeux du PS3, PS4 et tout ça, quoi. T'as des jeux un peu plus connus quand même, voilà. Pour varier. C'est ça. Et donc, en plus du let's play, tu fais aussi d'autres choses? Donc oui, là, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, une présentation de mes mangas favoris. Manga, ouais. Fairy Tail, oui. Fairy Tail. Ça se voit derrière, d'ailleurs. Hein.
J'ai aussi fait, là je présente les jeux vidéo, ma collection de jeux vidéo de PS1 que j'ai. Je fais sûrement sur les jeux de PS2 et PS3. Ça c'est tous tes mangas à toi ce qu'on voit là. Oui, ça voilà, c'est dans ta chambre, ça. C'est ta chambre à toi. C'est... Greg, sur un concept que j'ai jamais vu personnellement, mais ça a l'air, c'est très gros. C'est le joueur buveur. C'est ça, je suis le joueur buveur Greg. Présente-nous un peu ton contenu. Le contenu c'est en général du rétro gaming. En général, on essaie de découvrir avec mon pote Sam, l'ami qui boit, des jeux qu'on n'a pas forcément connus, que les gens n'ont pas forcément connus. Donc toi, c'est le Sam qui boit. Non, moi, c'est Greg. C'est le Sam qui ne boit pas. Là, ton pote, il s'appelle Sam, ouais. Qui boit, lui. Ouais, Sam, c'est l'ami qui boit. Donc, le Sam belge. Donc, ce qu'on peut le voir là. Et en général, il m'accompagne souvent. Et lui, il boit. Il boit avec moi. On boit tous les deux. D'accord. Et avant de commencer le jeu, on présente une petite bière locale, ou qui est plus connu, et on présente d'abord la bière, et après on joue. Donc en général, on n'a pas de skill, on sait vraiment pas jouer, et mon pote il arrête pas de rager. Il rage. Et est-ce que vous buvez beaucoup de bière avant de commencer à jouer? En général, quand même quelques-unes. On s'échauffe, hein, faut s'échauffer la voix forcément, hein. Et on s'échauffe, et j'ai, comme c'est un rageux, je chauffe un petit peu avant la vidéo, et après. Et est-ce qu'il y en a que vous buvez qu'on ne voit pas sur la vidéo? Ah ouais, bien sûr. Donc ça fait beaucoup de bière. On boit pas mal, ouais. Ça fait beaucoup de bière. Avant de tourner, en général, on boit déjà 4-5 bières avant de tourner. Donc à mon avis, donc tu parles plus sur un thème un peu délire. Ouais, c'est ça. Au niveau fun. Ouais, c'est vraiment du fun, quoi. On se prend pas la tête. Sur du gaming. Sur du gaming, on se prend pas la tête, on s'amuse. On présente la bière, on sait pas jouer, mais on s'amuse quand même. Et on fait rire les gens, c'est le principal, quoi. Et sur quel, est-ce que tu peux me dire sur quel jeu tu joues au hasard? Tu les choisis comme ça Comment tu choisis tes jeux? En général, on a fait 2-3 Mario Kart sur SNES, sur... qu'on a fait aussi sur la Wii. Après, on fait... Là, c'est du Mortal Kombat. Donc c'est un jeu de Mortal Kombat qui est Armageddon, qui était en bonus. Et après, on sélectionne, on joue au hasard. Bah, tiens, on va faire celui-là. Joue au hasard. Et on fait généralement du rétro. Et vous buvez des bières en début de vidéo, mais est-ce qu'à la fin de la vidéo, vous rebuvez encore une bière? Ça nous retourne après, ouais. Bien sûr, ouais, c'est ça. Et en général, on essaie de... Voilà. Et c'est toujours de la bonne humeur et... Voilà. Donc c'est que du gaming, tu fais autre chose que du gaming. On fait du vlog aussi. Donc comme ici, je vais faire un petit vlog qui présente le salon. 2-3 fois, on avait fait un vlog Festival Troll et Légendes à Mons, qui est un peu plus connu. Et voilà. C'est vlog, gaming... Et on essaie de parler un peu de tout et de rien. Et dans le gaming, vous affrontez, je suppose, vous essayez de finir le jeu, c'est juste un combo. Juste un combat comme ça, on finit jamais les jeux parce qu'on n'est pas capable. Finissez jamais les jeux? Non, on est vraiment nul, donc. Donc finis pas les jeux, vraiment on présente le jeu, et après si les gens veulent continuer à avoir le jeu, bah, ils peuvent le voir eux-mêmes. Quoi. Ça va, et donc toi, pareil, parce que vous voyez, les jeunes ont. Quelque chose qui revient souvent, c'est qu'ils font ça pour le fun. Hein. Tu vois, les jeunes qui veulent se lancer dans YouTube. C'est toujours envie de faire pour le fun, la plupart. Ouais. Toi, c'est comme ça que tu t'es lancé, tu t'es dit, on va se filmer. Voilà, on va se filmer. Enfin, au début, j'étais tout seul, mon pote est revenu un peu plus tard. J'étais tout seul, je voulais présenter ma passion, le jeu vidéo. Et après, j'étais vraiment très stressé au début. Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire avec une petite bière. Et avec la bière, c'était parti, le stress est parti. Et on se lâche complètement sur les jeux. Et donc, la dernière question, est-ce que tu peux dire comment on peut retrouver? T'es que sur YouTube, t'es sur Facebook, que sur YouTube? Je suis sur YouTube, le joueur buveur Greg, et sur Facebook, j'ai une petite page Facebook, le joueur buveur Greg également, tout simplement. Ok, bon, on peut applaudir notre ami belge, le joueur buveur. Et ça, je vous conseille d'aller regarder, à mon avis, ça va être très rigolo. Merci bien. Despacito, mami, se levanta.
la meuf avant que je vais Round one. Fight. Attaque de Chun-Li. Éclair sur Akuma qui part, esquive. Chun-Li qui enlève un peu de vie à Akuma. Akuma qui esquive, qui n'arrive pas à toucher pour l'instant. Tape dans le dos de Chun-Li qui frappe. Akuma qui a réussi à esquiver. Chun-Li qui s'est pris un coup. Coup de éclair. Coup de pied dans le coude qui à limite fait mal à Emily. Là c'est duré à l'injury, c'est le risque. Hein. Coup de pied éclair. Attention. Coup de poing du dragon. Akuma, coup de pied éclair, ouragan. Attention, les deux adversaires vont reculer. Il prépare un double Hadouken. Attention, Hadouken. Ah, c'est violent. Les deux élèves, les deux sont un peu étourdis. Attention, Akuma qui va sans doute achever Chun-Li là. Raging Demon. Chun-Li qui s'est pris un gros coup. Ah là là là. Victoire d'Akuma a priori, mais Chun-Li qui n'a pas dit son dernier mot. Hadouken de Chun-Li qui a tué Akuma. Victoire de Chun-Li. Qu'on applaudit. Eh bien voilà, nous avons terminé notre petit tour à ce petit salon bien sympathique. Je sais pas ce que tu en as pensé, Sinoc. Bon, c'était chouette, c'était petit mais agréable, beaucoup de choses à voir, des expositions, des petits trucs sur la scène et tout, c'était chouette, c'était vraiment chouette. On a fait un petit tournoi de Smash Bros. Ouais, oui. La première fois que je touche à une Switch. La première fois où je me fais éclater comme d'habitude. Ouais, sur Switch, on s'est fait péter tous les deux. On s'est fait péter tous les deux. Combat, simplement. C'est un jeu de merde. Mario Smash Bros, c'est un jeu de merde. Jeu, c'est un bon jeu, mais il faut comprendre. Sinon, non, c'est un jeu de merde. C'est vraiment un jeu de merde. J'ai perdu, donc c'est de la merde. Donc voilà, on a rencontré d'autres youtubeurs que je connaissais. Donc on a discuté. On a revu Tortue Géniale de Charleroi. Hein, un petit coucou à toi si tu passes par là. Et à qui on a pu discuter aussi un petit moment. Super gentil. Donc c'était super sympa, concours de cosplay. J'ai pu présenter, je suis passé sur scène, présenter un peu ma chaîne, vite fait. Donc voilà, bah, c'était bien sympathique. Si l'année prochaine ils refont, bah, on va retourner. En plus, c'était gratuit, pourquoi pas. On a fait nos petites emplettes, c'était pas foufou. Dans tous les cas, il y avait de très beaux cosplays. Il y en avait 3-4 vraiment impressionnants. Franchement, ouais. De World of Warcraft et aussi de. C'était quoi encore? Thanos et Captain America, ils étaient vraiment incroyables ceux-ci. Donc voilà, on a eu pour notre argent, on dira. L'entrée était gratuite. Donc nous, sur ce, on vous dit à la prochaine et salut tchuss. Bisous câlin, au revoir, merci.